Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Ce soir, c'est la 23e émission de Game Onitron, votre rendez-vous tous les lundis de 21h à 22h. On parle de jeux vidéo et de culture geek, mais en ce moment, c'est surtout du jeu vidéo. Alors, dans cette émission, on va parler de Final Fantasy X et Final Fantasy X-2. Pourquoi ? Parce qu'ils reviennent cette semaine en version haute définition sur PS3 et PlayStation Vita. Donc, ça sera l'occasion de revenir sur deux classiques, deux jeux cultes, même de la PlayStation 2. Qui ont maintenant 12 à 13 ans. Et ensuite, ce sera, pardon, avec notre spécialiste de Final Fantasy X, bien évidemment, Marc, présent. Également, nous aurons en fin d'émission sur le plateau où il faudra sortir évidemment vos masques en cuir, vos fouets et vos combinaisons en latex très très mouillantes, puisque on parlera du seul jeu où la difficulté, la frustration sont une qualité. Il s'agit bien évidemment de Dark Souls 2, avec deux de mes collaborateurs qui sont, on va dire, des spécialistes des endroits tels que la Fistinière et autres. Notre univers sadomasochiste, bien évidemment, j'ai reconnu Jules et Nicolas. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Oh yeah. Au pied festouille. Ça va les presqueouilles? Ça va, ouais. Toutes les, vous êtes donné dur cette semaine, ça a fouetté. Ouais, vous aimez mourir, vous faire mal. Ouais, je te reconnais bien. Que de souffrance. Et enfin, à la régie, on aura évidemment Pierre-Marie, l'investigateur de mission. L'investigateur. Oui, j'enquêterai tout au long de la soirée pour savoir qui a tué l'esprit de Noël. Il était viré. Non. Ça va, tout le monde va bien, tout le monde est au top. Oui, et toi, ouais. Mathieu, ça. Ah, t'es calme, merci bien. Et ben, si tout le monde va bien, et ben, on va tout de suite lancer les actus de la semaine avec un jingle spécial coup de fouet. Et le pire, c'est que c'est tiré d'une vraie pub pour un site sadomaso. Donc Mathieu connaît les pubs pour les sites sadomaso. Absolument. Allez, c'est parti pour le chiffre de la semaine. Et c'est moi qui m'en occupe en cas. Le chiffre de ce soir, mes amis, mes enfants, ça sera 50. 50 euros pour avoir un perso niveau 90 dans World of Warcraft. Non, il est offert si tu précommandes. Et non, c'est Pierre-Marie qui a gagné. Ouais, alors c'est une news bien trouvée, je pensais qu'elle était plus difficile que ça. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est pour la prochaine extension de World of Warcraft qui s'appelle Warlord of Draenor. En fait, il faut savoir voilà, que, comme disait Marc, les personnes qui ont précommandé le jeu auront un bonus XP pour pouvoir avancer plus rapidement dans le niveau du jeu. Sauf que ceux qui n'ont pas précommandé le jeu auront la possibilité de passer rapidement au niveau 90, mais pour cela, il faudra débourser 50 euros. C'est scandaleux. C'est quoi la raison officielle, c'était que ce n'était pas pour dévaluer tous les joueurs qui jouent à World of Warcraft depuis des années. Mais je dis la raison officielle. Je suis pas d'accord du tout, mais la raison officielle, c'est que pour eux, si c'était pas payant, bah il y aurait aucune valeur à tous les gens qui ont passé des heures et des heures sur le jeu. Non mais rien que le fait de proposer ça. Alors je veux dire, je sais bien que maintenant World of Warcraft c'est devenu le jeu vraiment pour gamins quoi. C'est-à-dire que tous les blaireaux, tout le monde peut y jouer. Il n'y a aucun challenge, il n'y a plus aucune difficulté, c'est le casual par excellence. Mais là, ce qu'on propose, je veux dire, 50 euros pour augmenter de niveau. Moi, je pestais parce qu'il y a les Tales of qui sortent sur PS3, proposent ce système de payer pour avoir un petit peu d'XP, tout ça. Mais pas autant. Putain, 50 euros pour passer au niveau 90. Trop cool. C'est le prix d'un jeu. Je vais pouvoir faire. Où va-t-on surtout? Surtout quand on s'appelle Blizzard, quoi. Blizzard qui est milliardaire, quoi. Les mecs, ils ont une statue en or dans leur entrée. Quand même pas déconner. Non, mais là, je suis révolté. Là, c'est le coup de gueule du siècle, là. Peut-être que c'est con, mais peut-être qu'ils ont pas fait ça par pas du gain, quoi. Peut-être que leur truc, c'est vraiment leur façon de penser, ouais. Mais c'est. Non, mais ça m'étonnerait même pas. C'est ça le pire. Ça m'étonnerait même pas. Non, mais vraiment, j'ai trouvé ça. Enfin, c'est minable. Quoi. Non, mais y a pas d'autre mot. Et 50 euros là-bas, ça fait 333 000 francs CFA. 333 000 francs CFA. Ah putain, j'ai mal à ma radio. Merci les enfants, merci Pierre-Marie qui a trouvé. Allez, quelques petites questions pour voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine, hein, ce qui n'est pas ton cas de Joule visiblement. Qui a annoncé Dark Souls 2?
qui a annoncé, et d'ailleurs qu'est-ce que c'est, hein, vous allez peut-être me répondre en même temps, l'Archival Disc. Sony, et c'est le successeur du Blu-ray, qui fera 1 teraoctet, c'est-à-dire 200 Blu-ray. Exactement, exactement, bien. Pierre-Marie, il a fond la patate, là. Il a bu une bière, ça y est. C'est clair, je suis sous l'effet des champignons. C'est la Saint-Patrick. Sous l'effet du cordyceps. Effectivement, donc l'Archival Disc, c'est Sony en collaboration avec Panasonic qui a annoncé ça. Donc ils sont en train de travailler sur le développement, comme dit Pierre-Marie, du successeur du Blu-ray. Donc l'Archival Disc. Alors pour l'instant, c'est une utilisation uniquement professionnelle. Il prévoit donc que ce disque possède une capacité de 1 Tera. Alors pour resituer, il faut savoir que le Blu-ray a une capacité de stockage de 50 gigas hein, sur les doubles couches. C'est pour ça que sur PS3 vous avez qu'un CD et que sur Xbox pour le même jeu vous pouvez avoir jusqu'à 4 CD. Voilà. C'est des DVD sur Xbox, donc il y a jusqu'à 4. Non, parce que la qualité d'image est bien meilleure sur Xbox 360. Oui, ben on en reparlera en comparant The Last of Us avec tous les jeux Xbox. Voilà, ça c'est dit. Aucun problème. Ça s'envoie des hachettes là. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, eh ben, pour poursuivre la petite histoire, on espère en tout cas que ce genre de produit arrivera pour le public, hein, tout simplement, après pour le marché. Ce ne sera pas pour tout de suite, vu que pour l'instant, Sony et Panasonic prévoient de proposer ce système aux professionnels d'ici 2015, et les premiers CD proposeront 300 gigas de capacité de stockage, ce qui est quand même assez conséquent. Enfin bref, on fait un petit pas en avant technologique. J'ai pensé à toi en voyant cette news, parce que la semaine dernière, on se disait que les installations prenaient de plus en plus de place, et du coup, des gros supports, ça veut dire potentiellement moins d'installations. On a déjà 50 gigas sur un Blu-ray, et du coup, t'as 50 gigas sur un Blu-ray et t'as 40 gigas d'installation. Ouais. Enfin, what the fuck, quoi. Si dans l'avenir, il faut 900 gigas d'installation, ça a piqué les fesses. Question, même si j'ai plus ou moins répondu tout à l'heure sans le faire exprès, quel jeu a dépassé les 6 millions de ventes? The Last of Us. World of Warcraft. Je pensais que ça allait être celui-là, ton chiffre de la semaine, du coup. Et bah, pas du tout. Non, ouais, The Last of Us, donc succès mérité, 6 millions, ça commence à faire un joli chiffre. Pour une nouvelle licence, c'est quand même un chiffre qui est plus que bon, qui se classe sans problème comme les meilleures ventes de la PS3. Donc 6 millions, bah, c'est bien. On rappelle qu'il y a un DLC qui est sorti il y a peu de temps, qui est d'excellente facture. Hein. Pierre-Marie nous en avait parlé. Et moi, je vous le redis également juste après. Voilà. pour quel jeu les joueurs seront terrifiés? Dark Souls 2. Evil Within. Non. World of Warcraft, c'est... dont ils vont voir le prix pour monter au niveau 90. Donc les joueurs seront terrifiés, c'est une citation bien évidemment. Ah mais je l'ai vu en plus. Et ouais, tu l'as vu. C'est con. Ça me dit trop quelque chose. Will be terrified. Ah, t'as l'air con là. Mario Kart 8, parce que les graphismes seront les mêmes que le 7, donc ils se sont dit « Ah, j'ai peur! Pourquoi j'ai acheté une Wii ?» Sur quelle plateforme? Sur PS4 et Xbox One et PC, je suppose. Ah, ça m'énerve. Batman. Je le sais ce que c'est. C'est Batman? Non. C'est pas Batman, non. Mais tu te rapproches. Superman, Spider-Man. Batgirl. Ah! Titanfall, ah non, PS. Injustice 2. Non, mais je fais patienter un peu mieux. Nico, non, mais ça l'énerve. Oui, c'est bien parce que je sais ce que c'est, je me rappelle plus. C'est un jeu d'horreur. Évidemment. C'est un survival horror qu'on connaît. Non, mais tu connais le nom, tout le monde le connaît. Resident Evil 7. Dead Space 3. Non, tu te rapproches. Dead Space 4. Alive Space. Non, c'est une série de films qui est pris en jeu vidéo. Silent Hill. Non. Une série de films qui va être pris en jeu vidéo. Et le dernier, c'est Alien Isolation. Toi, t'aurais dû en boire des bières, toi. Voilà, Alien Isolation, on nous promet d'être terrifiés dans le jeu. Moi, j'ai hâte de voir ça, perso. Hier, j'ai vu un truc sur No Life. Je raconte ma vie, j'en ai rien à foutre. Sur No Life, en fait, c'était un reportage justement sur les développeurs de Alien Isolation. Et en tout cas, pour l'ambiance de ce qu'ils montraient, ça avait l'air plutôt réussi. Après, la promesse, c'est que dans ce jeu-là, donc ça sera un duel à la première personne, dans ce jeu-là, en fait, on n'aura qu'un seul alien. On sera dans un vaisseau, je suppose, dans une base spatiale. Et il n'y aura qu'un seul alien qui nous coursera. Et évidemment, le but, ce sera surtout pas de l'affronter, parce que de toute façon, on sera poutré. Mais ça sera surtout de l'éviter et d'éviter ses pièges, parce qu'apparemment, la promesse de l'alien, c'est qu'il ne réagirait pas. Comme d'habitude, bien évidemment, ouais, il est capable de prendre le thé avec vous, si je comprends bien. Il ne restera pas de bois. Ce ne sera pas un Woody Alien. Ouais. J'ai bossé les blagues aussi.
Donc, ouais, ça. Et si on parlait de Final Fantasy T'as bien mangé sinon hier tu disais tu regardais No Life, mais tu mangeais quoi? Nous devons interrompre cette émission. J'ai mangé un très très bon couscous. Nicolas, rattrape le niveau. On parle de couscous. Alors, moi, je vous parle d'un personnage, donc je. Quoi? Que je veux pas du couscous. Donc, c'est en 1962 qu'on a ajouté le deuxième couscous. Cette émission devient trop culturelle. De combien de grains est composé? Donc tu voulais nous parler d'un petit personnage. Alors Marc, t'as Nul, sauve-nous s'il te plaît. Il m'a intrigué quoi. Super News. Les suspense. On t'écoute. On reviendra sur les andouilles tout à l'heure. Alors en fait, c'est une news qui s'est passée aux États-Unis. Non, j'en peux plus. Dans la petite ville de Katy, dans le Texas. En fait, c'est un mec, il a poignardé un autre mec avec pas n'importe quelle arme, la Master Sword. Ah oui, j'ai vu ça. De Legend of Zelda. Il était en cosplay. Non, il se faisait. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est le mari et la femme qui sont engueulés avec l'ex-mari. Et mais je t'avais dit que t'allais pas prendre la Triforce tout de suite, ta gueule. ça a dégénéré, ils s'en sont venus aux mains. L'autre a voulu se réfugier dans la chambre. Et dans sa chambre, il y avait son placard à cosplay. Il a sorti la Master Sword et il lui a planté dans la cuisse. Et l'autre, il a répliqué avec un lancer de pot de fleurs. Carapace. Un lancer de pot de fleurs. C'est marrant quand on sait que Link peut jeter justement des pot de fleurs dans la gueule. Donc les deux autres ont fini aux urgences, salement amochés. Voilà. Et d'ailleurs, dans la ville de Katy, on périt. Wow. Oh là 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 là. Bon, allez les gars, salut, bonne énorme. Soirée, je me casse. En fait, c'est même pas son ex-mari. En fait, la nana, elle était avec son copain et elle a appelé son mari parce qu'ils vivaient plus ensemble. Ils sont pas divorcés, mais ils vivaient plus ensemble. Et c'est le mari qui est venu à leur domicile à tous les deux et qui s'est pris une épée. Une épée de Zelda. je peux pas compliquer après ça. Allez, personnage. Non, mais si c'est la même news que Nico. Non, ça me pense pas. Moi. Vas-y, Nico, lance-toi. Moi, je vous parlais de Koji Igarashi. Peut-être, c'est peut-être pas qui c'est. Bah voilà, c'était ma news. C'était donc. Donc il est chez Konami. En gros, c'est lui qui a repris les Castlevania. Il a fait Symphony of the Night et tous les autres épisodes jusqu'à Lord of Shadow. Donc il a annoncé aujourd'hui qu'il quittait Konami pour créer son propre studio. Donc à voir ce qu'il y a à faire, sachant que ça me fait un peu peur parce que en dehors des Castlevania, les jeux qu'il a fait c'était des merdes. C'est quoi? Bah Nundro Breaker, ça te dit quelque chose? Ah oui. la bouse infâme. Mon Dieu, oui, je connais. Nundro Breaker, c'était sur PS2, c'est sorti peut-être en 2005 je crois, si je dis pas de conneries. Et... Donc il va faire son studio, il va faire ses propres jeux. Donc alors voilà, il avait du talent pour Castlevania, est-ce qu'il en aura pour faire ça dépend si on lui donne les moyens. Oui, voilà, après il faudra voir ce qu'il va nous faire. D'accord, ok, c'est pas du tout intéressant. Pierre-Marie, dis-moi tout. Alors, moi je vais vous parler d'un personnage. Ah, mais ta news c'était pas Castlevania. Non, mais c'était la mienne par contre. Ah, tu veux parler? Vas-y, parle d'un personnage, Marc. Non, de Castlevania avant. Alors, moi je vais vous parler d'en fait la nouvelle mascotte officielle de l'équipe japonaise de football pour FIFA 2014. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est pas Pikachu? Oui, ah bon, c'est un personnage de jeu vidéo qui devient la mascotte, ce sera Pikachu. Sans déconner. Et ce qui m'a fait le plus halluciner, c'est d'apprendre que le Japon avait une équipe de foot, quoi. Je savais pas. Si, ils ont une équipe de foot qui nous ont même battu dans le dernier match amical. Et dans Ultimate Soccer, ils ont une cote FIFA comme le Brésil et l'Allemagne. Non, c'est vrai. Inspiré des faits réels de Libetum. Exactement. Voilà, non mais c'est marrant de voir Pikachu en tenue de... En tenue, en maillot, quoi, en maillot sportif, qui est le même que la France, hein, vu que c'est japonais. Ils auraient dû mettre, comment s'appelle, Hatsune Miku, ça aurait été plus mignon. Ça aurait été marrant, ouais, mais bon. C'est un peu démodé, et Pikachu. Pourquoi ils ont pas mis Olivia Hatton, enfin, le Tsubasa Rose, là. Ouais, mais Olivia Hatton, c'est du passé au Japon, ils en sont. Maintenant, ils en sont à Inazuma 11, là. Oui, ou Inazuma 11, ouais. Éventuellement. D'accord, bah, c'est rigolo, ils sont très fans... Moi, j'ai déjà vu en fait qu'ils avaient, c'est un peu con, mais ils ont customisé certains de leurs avions de chasse avec des nénettes, en fait, des nénettes de manga. Non, mais vraiment, c'est t'as des héroïnes du premier animé pour Lolicon, et elles sont leur gueule sur des avions de chasse japonais. Ça fait très crédible. Je vais te tuer, là. J'ai été bombardé par Miku. Justement, ils se méfient. Je vais te détourner. Mais bon, les avions de chasse n'ont pas de tentacules. Pikachu contre Footix, qui gagne? Pikachu. C'est important de le savoir. Pikachix. Oh. Pikachix. Pikachu. Alors Footix, on rappelle, pour les moins de 10 ans. Raichix. Mon Dieu, oui, Footix, c'était la mascotte de la Coupe du Monde 98 et pas de l'équipe de France. Et ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. L'équipe de France, c'est Jules, le coq. Allez les Bleus.
On est tous ensemble, bref. Oh, ça nous rajeunit vraiment pas. On vient de faire un bond dans le passé. Rappelle-moi un truc, on te paye pour cette émission ? Bah ouais. Ouais, non, mais rappelle-moi de t'enlever ton salaire. On le paye en claque, il va avoir une augmentation. Oh putain. Je vous remercie pas pour ces news d'ailleurs. Oh, on a appris plein de trucs. Cette semaine sort en HD, après s'être attaqué à Kingdom Hearts, Square Enix revisite ses grandes licences en haute définition. Cette fois-ci, il s'agit de Final Fantasy X et Final Fantasy X-2. Les deux jeux sont sortis il y a déjà pas mal d'années sur PlayStation 2 et Square Enix a décidé de les remettre au goût du jour. Alors qu'est-ce que ça donne ? On en reparlera un petit peu tout à la fin. On va surtout revenir sur ces deux jeux. Qu'est-ce qu'ils étaient sur PS2 ? On va essayer de vous donner envie de les acheter parce que ça serait dommage de vous en priver parce que ce sont deux RPG magnifiques et on va vous en parler juste après ça. Par Final Fantasy X. Hein. Alors, FF10, il est sorti en juillet 2001 au Japon. Chez nous, il arrive le 24 mai 2002 en France. Alors, c'est le premier épisode qui sort sur PlayStation 2, le premier épisode de Final Fantasy à sortir sur PlayStation 2. Et c'est également le premier épisode de Final Fantasy à avoir un doublage intégral, à avoir des voix. Parce que dans FF9, eh bien, c'était encore des textes. Et c'est la première fois qu'il passe un doublage japonais et américain. Et d'ailleurs, en plus de ça, eh bien, le doublage est d'excellente facture. Hein, pour une première, c'est vraiment très très réussi. L'épisode s'est vendu à presque 8 millions d'exemplaires à travers le monde. Hein. C'est tout simplement le FF qui s'est le plus vendu juste après l'épisode 7. Et ça fait partie des jeux les plus vendus à travers le monde, hein, de toute manière. Alors, Final Fantasy X, on va parler un peu de l'histoire du jeu. On incarne Tidus. Tidus, il se trouve dans la ville de Zanarkand. Zanarkand qui est une ville très futuriste avec des buildings énormes. Il y a un côté très utopique, parce que ouais, des architectures un peu improbables. Et il est là et il se balade et tout. Les gens ont pas l'air de travailler. On comprendra un petit peu pourquoi plus tard. Enfin bref, la vie a l'air d'être cool, d'être belle. Et Tidus, c'est pas un héros tout à fait comme les autres puisque à la base, c'est une star d'un sport. Un sport qui s'appelle le Blitzball. Alors, le Blitzball, pour vous expliquer ce que c'est, imaginez une espèce de sphère d'eau gigantesque qui fait par exemple la longueur d'un terrain de foot et dans laquelle les joueurs sont dans la sphère d'eau, donc c'est des champions de l'apnée, hein. Il faudra pas trop réfléchir hein, à savoir combien de temps ils tiennent sous l'eau, hein. C'est du Final Fantasy, c'est du univers fantastique et c'est un espèce de sport qui mélange le volleyball avec du foot et en gros il faut marquer des buts, il y a deux cages et voilà, vous tirez avec le pied, vous faites des passes et pour récupérer la balle à l'équipe adverse, eh ben vous usez de subterfuges un peu, de coups bas, de dribble ou de coups de pied dans la gueule, c'est un peu ça hein, techniquement, pour récupérer le ballon. Bref, Tidus est une véritable star de ce sport, comme le fut son père Jack qui a disparu malheureusement. Et alors qu'il est en plein milieu d'un match et en plein milieu d'une cinématique absolument exceptionnelle pour l'époque,
La ville de Zanarkand se fait attaquer. Au début, on voit une espèce de gigantesque vague qui arrive sur la ville. Et cette vague dissimule un monstre qui paraît tout aussi gigantesque, qui attaque la ville, qui la défonce. Le stade est détruit, la ville est quasiment en ruine. Il y a les alarmes qui se mettent en marche, tout ça. Bref, Tidus ne sait pas trop, ne sait plus trop où il habite. À ce moment-là, il va retrouver un personnage que lui connaît très bien, qui s'appelle Auron, un espèce de guerrier qui a un charisme... de dingue, hein, tout simplement, et ça se remarque dès les premières minutes de jeu. Et juste après, une petite rencontre un petit peu troublante, Tidus, eh bien, il va se faire happer par une espèce de tourbillon provoqué par le monstre, dirait-on. Tidus réapparaît à un autre endroit, Auron n'est pas avec lui, et après quelques rencontres un petit peu houleuses, eh bien, il va se rendre compte que ce tourbillon, cette espèce de tourbillon vortex, l'a emmené dans son monde, mais 1000 ans plus tard. En tout cas, c'est ce qu'on lui dit. Alors, même si Tidus, au début, il a un petit peu de mal à y croire, eh ben, malheureusement, il n'a pas de choix que de continuer sa quête. Et la seule chose qui le raccorde à son, entre guillemets, son ancien monde, eh ben, ça reste le sport, le Blitzball. Donc, au début, il va suivre un ou deux joueurs de Blitzball et faire la connaissance de fil en aiguille avec un personnage emblématique de Final Fantasy. Il s'agit de Yuna. Yuna, c'est une jeune fille qui a le pouvoir d'invoquer ce qu'on appelle des chimères, hein. En gros, c'est les monstres, enfin, les invocations de Final Fantasy. Et pourquoi elle fait ça? Eh bien, tout simplement parce que le monde dans lequel Tidus se trouve, le monde de Spira, eh bien, il faut savoir que le monstre qui a attaqué Tidus et sa ville il y a 1000 ans est toujours là, et que pour pouvoir mettre un terme au règne terrifiant de ce monstre qui ravage les côtes et qui apporte que le mal à travers ces passages, eh bien, des invoqueurs comme Yuna parcourent le monde en quête de puissance pour pouvoir invoquer l'ultime chimère et peut-être battre cette fameuse bestiole du nom de Sin. Alors, Tidus au début n'est attiré que par le Blitzball pour essayer de retrouver quelque chose de son ancien monde, et finalement, il va s'accommoder avec Yuna et se trouver une nouvelle façon de vivre, entre guillemets, un nouveau but avec la jeune invoqueuse. Alors, c'est le pitch de Final Fantasy X qui va vous faire parcourir le monde de Spira, un monde qui est absolument magnifique et qu'on va découvrir avec Tidus, puisque Tidus est comme un étranger dans ce nouveau monde, et du coup, eh bien, c'est comme si on faisait un voyage en terre inconnue quasiment, c'est-à-dire qu'on va découvrir un monde qui a ses coutumes, sa religion, ses politiques, qui a ses anciens héros, etc. Et du coup, au fur et à mesure on va avancer dans le jeu, eh bien, on va découvrir plein de choses sur un univers qui est chargé d'histoire et qui du coup est particulièrement immersif. Voilà pour ce qui est de la partie scénario. Maintenant, on va s'attaquer à une autre chose qui va certainement vous intéresser, le système de combat et d'évolution. Allez, le système de combat de Final Fantasy X avec le spécialiste du système des combats de Final Fantasy X, il s'agit de Marc, bien évidemment. Comment se passe le système de combat de ce nouveau FF ? Le tester dans quelques jours à la sortie du jeu, parce que c'est un système qui a très bien vieilli en fait. Ouais. En y ayant rejoué il n'y a pas longtemps, justement, j'ai pu revoir que ça ne m'a pas du tout choqué de rejouer, d'utiliser ce système. Il est très classique, tour par tour. On abandonne l'active time battle voilà. Du précédent FF, hein, qui voulait qu'il y ait une jauge de temps. Là, voilà, en gros, entre deux tours, vous pouvez aller boire un café, les héros resteront au même endroit. Ça va pas bouger, voilà. Voilà. Si c'est, ça va s'arrêter au moment où c'est à vous de jouer, en fait. Mmh. On a la possibilité de voir, parce qu'en fait, selon la rapidité des adversaires, ils vont pouvoir peut-être attaquer deux fois de suite. Ouais. Donc, du coup, sur le côté, vous avez une fenêtre, et vous avez l'ordre des tours, voilà. Parce que oui, on a trois coéquipiers dans son équipe. Ensuite, vous pouvez planifier vos actions puisque vous voyez les tours de chaque personnage, que ce soit enfin, vos alliés comme vos ennemis. Voilà, donc on va lancer par exemple trois actions si on a trois personnages, et ainsi après l'ennemi va peut-être attaquer deux fois, va peut-être attaquer une seule fois ou va préparer des attaques. Donc il y a toute une stratégie à régler par rapport à ça, par rapport à cet ordre. Après, en termes d'évolution des compétences, donc on a un sphérier. Ça, c'est la partie augmentation des stats. C'est un espèce d'immense échiquier assez original, puisque ce sont
des sphères toutes entre toutes liées entre elles par des, on va dire des liens. Des points de jonction. Ouais. Voilà, c'est une sorte de palette géante en fait, le sphérié. Au début, c'est assez compliqué à comprendre puisqu'en fait votre expérience va vous donner des droits de déplacement, oui, de ces sphères. Et chaque fois que vous déplacez une sphère, vous pouvez ensuite utiliser des sphères en stock qui auront différentes caractéristiques. Qui ont gagné en combat. Voilà, il y a des physiques qui vont concerner l'attaque ou la défense. Mmh. Les sphères, je crois que c'était les mentales qui faisaient les points de magie, les points d'esprit, donc de défense magique et enfin de magie. Et des sphères compétences qui vont pouvoir vous faire apprendre une nouvelle compétence. Et sur ce sphérié, en fait, tous les personnages ont le même, mais ils vont chacun commencer à un emplacement différent. Donc, au début, on va dire que pendant une grande partie du jeu, chaque héros sera des spécialistes de leur domaine. Il y aura vraiment la magicienne, il y aura l'attaquant pur, plus ou moins le soigneur, on va dire. Voilà, ils auront tous chacun vraiment une spécialité, mais voilà, quand vous arrivez vraiment à, je sais pas, au deux tiers du jeu, 100 heures de jeu, à la fin, voilà, après vous pouvez vraiment les, en faire. C'est-à-dire qu'après ils apprennent tout avoir quasiment. Voilà, c'est-à-dire que le mage va pouvoir apprendre des techniques de mage blanc et inversement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est obligatoire de toute façon dans le jeu, mais il faut bien respecter la prédestinée des personnages. On ne peut pas aller partout non plus dans le sphérié. Alors, moi, je vais quand même juste noter quand même quelque chose, c'est que ce système de sphérié, c'était une révolution déjà pour la série Final Fantasy, hein, parce que c'était la première fois qu'on avait un système comme ça pour l'évolution des personnages. C'est la première fois qu'on voyait ça dans un jeu de rôle. C'est une révolution pour les RPG, et c'est même une révolution pour le jeu vidéo tout court, parce qu'on n'avait jamais vu un système pareil. Il a été souvent imité, il a été rarement égalé, et quasiment jamais, jamais dépassé, pardon, merci Nico d'ailleurs, jamais dépassé, enfin moi en tout cas je trouve qu'il n'y a jamais été dépassé, et effectivement c'est vrai que ça paraît un petit peu complexe à expliquer comme ça, mais évidemment après c'est en tâtonnant qu'on va finir par apprendre et par s'approprier le système. Et ça permet d'énormes libertés, par exemple quand je comparais ma progression à d'autres joueurs, ils n'avaient pas forcément les mêmes compétences et les mêmes stats. Ouais, absolument. Ouais. Donc ouais, ça personnalise pas mal le jeu. Et après bien sûr il y a les armes qui ont certaines compétences, et ces armes peuvent être modifiées au fil du jeu. Absolument. Donc il y aura aussi les invocations que pourrait avoir dans le jeu. Invocations donc, qui diffèrent de la plupart des Final Fantasy, puisque c'est les premières invocations dans la série FF qui restaient sur le terrain. C'est un personnage jouable en fait. Voilà. Avant, pour l'histoire, hein, les invocations, en fait, elles arrivaient, elles avaient une petite mise en scène, elles faisaient une attaque, elles repartaient aussi sec. Que là, les chimères en fait restent sur le terrain et ont leur propre palette et de ont coups, une vraie utilité technique dans certains moments difficiles du jeu. En fait. Mais elles prennent la place d'un personnage et on a toujours quatre personnages. Alors en fait, si ils se retirent les persos. Voilà, il n'y a que Yuna qui invoque les chimères, et du coup, il ne reste que Yuna et la chimère, et les autres personnages se retirent. Enfin, les autres personnages leur laissent la place. Une chimère en place, c'est plus fort que les trois personnages de base, généralement. Généralement, on n'a pas trop de soucis à se faire quand on invoque une chimère. Il faut vraiment tomber sur un boss bien balèze pour qu'il vous la bute. Mais n'empêche qu'elle ne va pas vous sauver éternellement. Non, il y a des boss, il faut passer toutes les chimères les unes après les autres pour arriver à les tuer. Hein. Non, mais c'est un peu ça. Donc on a un système de combat qui est, comme l'a dit Marc, qui est classique, mais qui est véritablement très efficace, hein, qui propose quand même de la stratégie dans le jeu. Il n'y a pas forcément besoin d'être très très bourrin pour jouer. Je veux dire un autre truc dans le système de combat qu'on n'a pas dit. En fait, donc on a trois personnages en combat, on peut switcher à tout moment. Exactement. Les personnages seront en retrait. Et donc, on pourra, par exemple, on remplace Tidus par un autre personnage. Absolument. Alors qu'avant, dans les FF, on avait notre groupe et on ne pouvait pas le changer en combat. Comme dit Nico, il y a trois personnages en combat et je sais pas, je crois qu'il y a sept personnages dans les FF. Oui, au maximum. Et donc, vous pouvez switcher à tout moment. Donc, quand vous avez un personnage qui est un peu dans la merde, vous n'avez plus trop de potions, hop, vous switchez et puis tac. Après, il faut choisir le bon personnage. Alors, bien après, évidemment, pour certains boss, il faut passer toutes les chimères et tous les personnages pour espérer les tuer. Ça arrive. C'est un peu ça. On a vraiment un système de combat qui, comme tu l'as dit, Marc, je suis d'accord avec toi, qui n'a pas vieilli. Alors FF10, pour les points techniques, il faut savoir qu'il faut compter environ 40 heures de jeu pour le terminer en ligne droite. Le scénario principal, compter 3 fois plus. Mais vraiment, hein, pour j'ai 250 heures de jeu les quêtes annexes, hein, parce que les quêtes annexes sont nombreuses, sont variées, sont même difficiles, en plus de ça, elles sont loin d'être simples. Et révèlent des choses sur le scénario. Exactement, et ça c'est très important. Il y a vraiment un intérêt de les faire en fait. On ne fait pas que de la chasse aux monstres, toute bête, toute conne. Là vraiment, on va avoir des révélations en plus sur le scénario, des petites choses qui vont vraiment enrichir l'histoire de FF10 qui est déjà assez riche. En plus de ça, il y a même, j'avais halluciné, il y a même une zone de
quête annexe qui est la zone la plus grande du jeu, quoi. Mais le truc, si on ne sait pas, on passe à côté. Parce qu'il faut la débloquer, il y a pas mal de trucs à faire. Donc voilà, il y a un jeu qui est extrêmement riche. Hein. Comme dit, voilà, 120 heures, voilà, une partie à 170 heures. Toi, tu me dis 250 heures, si c'est pas plus. Voilà, il y a moyen de beaucoup jouer avec les héros de Final Fantasy X. Il y a une bonne jouabilité. En plus de ça, le scénario est chouette. Enfin bref, si vous n'êtes pas été charmé encore par FF10 sur PS2, eh bien c'est l'occasion. FF10, pour ma part, moi, c'est un de mes jeux préférés de tous. Il y a un scénario qui est véritablement passionnant. On va suivre vraiment des personnages qui sont super attachants. Ils ont tous des caractères différents sans être complètement énervants. Et on va vraiment parcourir un monde qui est chargé d'histoire. On va se passionner par l'univers du jeu. On va nous raconter souvent des anecdotes sur tel lieu. Enfin, vraiment, on se croirait dans un nouveau monde. Et ça, je trouve que l'ambiance est géniale. C'est amplifié en plus de ça par les musiques qui sont magnifiques de Uematsu. Il a créé une ambiance musicale où on a l'impression que la musique ne peut pas se dissocier du lieu où on se trouve. Ça, je trouve ça absolument remarquable. Le scénario est passionnant, il y a pas mal de gros rebondissements en plus de ça dans le jeu. Enfin voilà, c'est un jeu avec un univers qui a un charme mais absolu vraiment, et ça fait partie des FF les préférés des gens avec le 7 en plus de ça. Donc voilà, FF10 en tout cas. Je crois qu'au Japon c'est leur épisode préféré. Ouais, au Japon c'est leur épisode préféré, et rien que pour FF10 en tout cas il vaut le coup. Mais dans cette compilation, il n'y a pas qu'FF10, il y a également Final Fantasy X-2 qui lui a une ambiance totalement différente. On va remettre le plateau parce que la pause musicale est en train de partir en sucette là. Final Fantasy X-2 donc qui commence avec une ambiance totalement différente, avec une scène de concert chantée par Koda Kumi, une chanteuse japonaise très connue, réputée là-bas. Alors Final Fantasy X-2, lui il est sorti en mars 2003 au Japon, et il arrive le 19 février 2004 chez nous en France. Donc pareil, hein, lui aussi il est plus tout jeune, hein, il a 10 ans. Oui, c'est ça, il a 10 ans. Non, même plus, 11 ans, pardon. Alors, Final Fantasy X-2, comme on l'a dit, il y a une ambiance très différente. Alors, je vais pas tout révéler pour pas spoiler FF10. Mais voilà, disons qu'il faut plutôt prendre FF10 comme un spin-off de la série Final Fantasy, un épisode vraiment à part, et plutôt que de le considérer vraiment comme une suite directe, même s'il utilise intelligemment ce qui a été fait dans Final Fantasy X, voilà, pour qu'on ait quelque chose de cohérent dans l'univers de FF10 2. Mais voilà, on va vraiment voir un spin-off, quelque chose de qui sera vraiment amusant avant tout. Pour la petite histoire, eh bien, on va diriger cette fois-ci Yuna, ça sera elle l'héroïne principale, elle sera aux côtés de Riku et d'un nouveau personnage qui s'appelle Pain. Alors voilà, on va vraiment surtout les voir elle en principal. Sachez que les autres personnages qu'on a vus dans FF10, que ce soit Lulu, Kimari, Oron, Tidus, tout ça, seront vraiment beaucoup mis en retrait dans cet épisode-là. On les voira quasiment pas, sont quasiment inexistants. En tout cas, voilà, Yuna est devenue ce qu'on appelle une chasseuse de sphères. Les sphères, en gros, ce sont comme des cassettes vidéo dans le monde de FF10. En gros, on peut enregistrer tout avec ces sphères, ces petites boules. Et dans FF10 2, eh bien, ces sphères regorgent d'informations sur le passé, parce qu'il y a des vidéos qui ont été tournées il y a plus de 1000 ans, tout ça, et qui existent encore sur le monde de Spira. Et du coup...
Et du coup, Yuna, eh bien, elle part à la recherche un peu de l'histoire de son monde. Mais évidemment, elle n'est pas la seule, elle va avoir des concurrents, tout ça. Donc, c'est un peu la chasse aux sphères, la chasse aux histoires de l'univers de Spira. Donc, voilà pour le pitch de Final Fantasy X-2. Donc, c'est le moyen de parcourir le monde qu'on a vu dans FF10, mais d'un autre angle, plus ou moins d'un autre angle. Alors, FF10-2, lui, par contre, il a quelque chose aussi de très intéressant, en plus de son côté amusant, c'est son système de combat. Le système de combat d'FF10-2 est franchement un des meilleurs de la série. Mais pourquoi ? Je vais juste revenir sur l'effet pop Japan du début du jeu. En fait, il dure pas longtemps, il dure 10 minutes. Après, oui, on retombe vite dans une ambiance du 10. Ouais, ça reste quand même assez enjoué. Oui, mais on arrive assez dans des trucs assez sombres assez rapidement, oui, si ça peut rassurer. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir Kodakumi dans l'équipe ? Alors les combats, du coup, qui ont changé de FF10. Voilà, on retombe dans du Active Time Battle, voilà, avec des jauges d'ATB. Voilà. On a les trois personnages jouables que tu avais évoqué tout à l'heure. Et ce coup-là, on a les vétisphères, donc c'est comme les systèmes de job, en fait. Les sphères sont vraiment le centre du jeu, hein, oui. FF10-2. Ils ont appelé ça des vétisphères, donc pareil, il y a un mage noir, mage blanc, des berserkers, des guerriers. Ça s'apparente à un système de job, hein, ni plus voilà, ni moins. Les voleurs, enfin tout ça. Sauf que la particularité, c'est que vous pouvez en changer de job en plein combat. Voilà, et pour changer cette job, il faut équiper les vétisphères sur des palettes. Donc les palettes peuvent contenir jusqu'à 5 ou même 6 vétisphères, il y a des palettes qui n'en contiennent que 2. Par contre, quand vous changez de vétisphère, ça active des options sur les palettes, en fait. Donc ça veut dire que si vous changez plusieurs fois durant le combat de tenue, vous allez activer des bonus, par exemple plus 20 de défense, plus 20 d'attaque. Et ça va permettre plein de stratégies dans le jeu, en fait. Parce que les combats sont assez dynamiques cette fois-ci, hein, pas le temps de vous reposer, hein, entre guillemets, et vous devez changer de vétisphère en fonction de la stratégie des boss. Alors là, il y a que... C'est plus au tour par tour. Non. Enfin, c'est pas au tour par tour, ça l'est indirectement, puisqu'une fois que les jauges d'ATB sont épuisées, c'est l'ennemi qui attaque, et ainsi exactement. De suite. Donc les vétisphères, je crois qu'il y en a 12 au début, et donc chaque personne a les 12, mais... Après, par exemple, chaque personnage va se spécialiser sur 4 vétisphères. Après, si vous voulez mettre 3 mages blancs, vous pouvez. Hein, mais ça sera pas une grande utilité. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez aussi des équipements. Vous pouvez en mettre 2 qui boostent beaucoup les capacités de vos personnages. Et bah, dans celui-là, c'est pareil. Hein, on a un personnage qui va se consacrer à la magie, un qui va se consacrer à tout ce qui est buff, debuff, vol, tout ça, et un autre plutôt au combat au corps à corps. Exactement. Donc c'était vraiment un système de combat qui était vraiment très très réussi, en tout cas pour l'époque. Il est très dynamique, ouais. Enfin, pour l'époque, même maintenant, hein, il passe encore. Il permet quand même d'élaborer des stratégies et d'avoir une certaine approche sur certains boss. C'est-à-dire, avant, on peut tomber contre un boss, avoir un game over, mais le coup d'après, on va savoir comment l'aborder. Absolument. Avec telle palette, telle vétisphère, et pouvoir s'en sortir. Le système de combat de FF13 est un dérivé de celui de FF10-2, hein. faut dire ce qui est. Hein. Oui, c'était vraiment la suite logique. Voilà, l'évolution du système de combat de FF10-2 donne FF13, hein. C'était un peu ça. Hein. C'était un peu ça le but. Système d'évolution, on en a parlé. Oui. Voilà, bah, pour ce qui est du système de combat, comme ça vous donne des petites pistes, tout ça. Évidemment, quand on dit on change de tenue de vétisphère, ça se voit physiquement, hein, dans le jeu. Hein, les héroïnes vont avoir des tenues différentes. Et en plus de ça, même si vous prenez, par exemple, je sais pas, 3 mages noirs, elles auront chacun un style de mage noir, oui. Voilà, différent. Hein, donc, voilà, c'est joli, assez fun. Alors, FF10, il a été pas mal critiqué à l'époque. Moi, en tout cas, je vous le conseille parce que c'est un jeu que moi j'ai trouvé super fun à faire. Alors, il faut compter 25-30 heures pour finir le scénario en ligne droite, mais par contre il va falloir aussi beaucoup plus d'heures pour terminer toutes les quêtes annexes. En plus de ça, c'est le premier FF qui possède un système de New Game Plus, donc que vous pouvez refaire, vous regardez les vétisphères que vous avez gagnés, parce que vous en gagnez au fur et à mesure du jeu, vous gardez les vétisphères que vous avez gagnés, bon, vous perdez votre niveau, mais du coup vous avez encore vos équipements, vous avez encore vos compétences, etc. Mais voilà, vous pouvez recommencer le jeu parce qu'il y a plusieurs fins dans FF10-2. C'était aussi la première fois pour un FF qu'on voyait ça. Et vraiment, voilà, les quêtes annexes, c'est vraiment de tout. Il y a plein de mini-jeux qui sont super fun, super amusants. Super compliqués. Ouais, parfois super compliqués, mais qui sont super amusants de manière générale à faire. Bref, Final Fantasy X-2, c'est vraiment un jeu super plaisant. «
Voilà mes chers amis, bah, en tout cas j'espère que ça vous a donné envie de faire et d'acheter, d'acquérir Final Fantasy X et X2 HD. Pour la petite histoire, donc la version HD sort cette semaine, elle est vendue au prix de 40€ et franchement environ, je sais pas, allez 300 heures de jeu si vous voulez tout faire dans FF10 et X2 pour 40€, je trouve que c'est pas cher payé. Ah, plus The Last Mission qui est inédit en Europe. Exactement, donc The Last Mission c'était un bonus de la version japonaise de Final Fantasy X2 qui sera intégré directement là sur la version HD. J'ai trouvé que le relifting, pourtant je déteste les versions HD, j'ai trouvé que le relifting était pas dégueulasse en plus de ça de FF10 et X2. Ils ont remasterisé toutes les musiques pour FF10 seulement, parce que FF10-2 il y en a peut-être quelques-unes mais pas beaucoup. Pour FF10 ils ont remasterisé toutes les musiques. Bon, perso je préfère les anciennes musiques parce que voilà, j'ai joué avec hein, tout simplement, mais je trouve que voilà, ce remix sont plutôt de bonne facture, même très bonne dans l'ensemble, mais il n'y avait vraiment pas à cracher dans la soupe pour ceux qui ont fait FF10 et qui aimeraient se replonger dedans. Donc voilà, surtout et eh bien n'hésitez pas, à mon sens sont deux RPG cultes de la PS2, même des RPG cultes tout court hein, voilà, c'est les mots sont dits. Voilà mes chers enfants, on va passer maintenant à un RPG peut-être un peu moins culte mais un peu plus sauvage, puisque on va se tourner avec mes deux amis fans de la des fists et d'autres pratiques. Et il y a aussi 300 heures de jeu pour passer le premier ennemi avec évidemment Dark Souls 2. Alors Dark Souls 2, c'est le jeu de From Software, un studio qui est habitué à faire des jeux très moyens, voire même pourritissimes, comme le Steel Battalion sur Kinect. Vous avez pris la surprise Alors plus ou moins, donc la surprise c'était en 2007, si je dis pas de bêtises, avec Demon's Souls, ouais, Demon's qui est sorti au Japon. De nulle part, personne ne s'attendait à ça. Surtout sorti au Japon. Voilà. Moi je trouvais ça marrant parce qu'il s'est fait défoncer à sa sortie japonaise, tout le monde l'ignorait. Moi je me rappelle très bien, tout le monde ignorait, les Japonais avaient pas vu les super notes. Il y avait juste une petite niche de fans, tu vois. Et c'est exactement ça, il y a une petite niche de fans, comme tu le dis, qui disait ouais, mais le jeu il est bien, il est hardcore et tout machin. Et quand le jeu est arrivé, il était localisé aux États-Unis, après en Europe, là bizarrement le jeu était un truc de fou. Bon, je trouvais ça un peu marrant de passer de la merde au jeu terrible juste en changeant de continent. Bon, pourquoi pas. Mais n'empêche que Demon's Souls a réussi à s'approprier de très nombreux fans, en tout cas à travers l'Europe et à travers les États-Unis, parce que From Software, c'est un studio japonais qui fait un style plutôt occidental là pour le coup. C'est, en tout cas pour le design, tout ça, ça fait pas du tout japonais. Il y a pas de, même s'il y a des tentacules, il y a pas de petites filles. C'est très chevalier, en ambiance médiévale. Voilà, c'est un peu ça. Donc Demon's Souls, c'était leur premier essai. Qui a plutôt convaincu les joueurs. Ils ont ensuite concrétisé l'essai avec Dark Souls qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Avec Dark Souls qui a rempilé le truc. Évidemment, le principe du jeu, c'est mourir. Voilà, ouais. En gros, c'est un jeu qui va être extrêmement dur, extrêmement punitif. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des pièces avec des embuscades, des pièges, des ennemis qui vont nous exploser dans le coup. Mais en gros, plus on va avancer dans le jeu, plus on va comprendre le pattern des ennemis, savoir tel endroit il y aura un mec qui va être en embuscade, tel endroit il y aura ceci, et donc on avancera progressivement en tâtonnant quand on va avancer dans le jeu. Alors difficulté de mise, mais il y a pas que, il y a aussi un principe de frustration dans Dark Souls, parce que voilà, qu'en fait quand vous mourrez, vous êtes pas justement, vous perdez acquéri. Donc quand on tue un ennemi, on récupère des âmes, ça sert absolument à tout, donc c'est pour acheter des objets, pour augmenter son niveau. Et quand on meurt, on perd toutes les âmes qu'on a en stock. Donc elle reste l'endroit où on est mort, mais encore faut-il retourner sans remourir, puisque sinon elle se perd définitivement. Donc ça, je trouve que c'est un principe frustrant. Comment, mais moi j'ai joué à Demon's Souls, j'ai pas pu supporter à cause de ça. Je vais me tourner vers Jules qui a joué. Comment tu peux supporter ça? J'aime me faire mal. Non mais comment tu peux supporter, je sais pas, tu vas dans un niveau de soi, je sais pas, tu peux acquérir jusqu'à, je sais pas, 10 000 voire 1 million de dames. Comment tu dis tiens merde, je les ai perdus, je vais essayer d'y retourner, puis là tu te fais tuer par un mob que t'as pas vu quoi. Justement, ce que j'aime bien dans les jeux, c'est la difficulté. C'est moi je trouve maintenant les jeux, si tu t'intéresses au scénario, tu fais ton jeu. Tu vas pas trop galérer pour le faire. Tu vas arriver à le terminer quoi qu'il arrive. Même si t'es un joueur novice, tu pourras terminer n'importe quel jeu actuel.
Dark Demon Soul et de la série Dark Soul, en fait, je trouve de ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas n'importe quel joueur qui peut terminer ce genre de jeu. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est la difficulté. Avant, quand on était plus jeune, tu sais, qu'il y avait la NES, Super NES et tout ça, et ben, il y avait des jeux, fallait les squatter, les faire, les refaire pour arriver à la fin. Et quand t'arrivais à le terminer, c'était une jouissance. La majorité des jeux étaient comme ça. Mais voilà, c'est ça. Et avec Demon Soul, Dark Soul, j'arrive à retrouver ce côté-là. Pour arriver à terminer le jeu, ils font chier, ils font en baver, et au moins, voilà, t'es content, t'arrives. Alors le truc que je mettais en porte-à-faux, c'est que c'est pas la difficulté du jeu qui rebute, c'est le côté frustrant. C'est-à-dire que quand tu perds toutes tes âmes que t'as acquises, moi ça me fait chier, parce que j'ai l'impression de revenir en arrière. Parce que autant quand tu fais un jeu, parce que, je veux dire, les vieux jeux de l'époque, comme disait Pierre-Marie, ils étaient effectivement la plupart difficiles, mais au moins quand tu savais où t'étais mort, tu recommençais. Mais tu perdais pas tout ce que t'avais acquis. Non, tu perdais pas tes pouvoirs ou quoi que ce soit. Les premiers jeux, je sais pas si tu te rappelles, comme Golden Axe, Street of Rage et tout, t'avais un certain nombre de continues. Quand tu les avais vraiment épuisées, fallait recommencer depuis le départ. On parle de jeux qui se terminent en deux heures. Je veux juste revenir à un truc. Après, au bout d'un moment, tu apprends à optimiser un peu. C'est-à-dire, quand tu vois que tu as un nombre d'âmes assez conséquent, tu vas retourner à un endroit pour les dépenser le vite possible, et après tu vas continuer d'avancer. Comme ça, si tu paumes, t'en perdras pas beaucoup, et puis voilà. C'est ça. Au début, tu dis: ah, j'ai perdu mes 1000 âmes, dramatique. Et à la fin, tu dis: ouais, 1000 âmes. Et voilà, plus on va avancer, plus on va progresser rapidement, en fait. Ouais, c'est pas le jeu nous punit pas, on va récupérer des équipements qui vont nous aider à être plus fort, les ennemis vont rapporter plus d'âmes, donc on arrivera à plus progresser. Même si on perd, on arrivera à gagner plus. On est gagnant quand même. Perdre plus pour gagner plus. C'est exactement ça. Alors ça, c'est le principe donc, de la série Demon's Souls et Dark Souls. Qu'en est-il du nouveau-né? Quelles sont les évolutions? Est-ce que cette fois-ci, voilà, vous êtes un masochiste confirmé, ou est-ce que vous êtes encore un masochiste novice? Non, ouais, c'est un peu ça. On est plus confirmé. Confirmé. Déjà, est-ce que tu es passé au fouet à clous, ou est-ce que tu es encore au simple petit fouet qui fouetouille le trou de balle? Ça dépend. Pour Dark Souls 2, je suis un peu mitigé au niveau de la... Par certains côtés, il est plus dur, mais pour le côté, je trouvais plus accessible que les autres épisodes, en fait. Donc, alors pourquoi? J'ai pas fait du speed. On arrive dans un royaume, comme dans tous les épisodes de la série, l'histoire est absolument inexistante. Enfin, elle est pas inexistante, mais il faut la découvrir. T'es lâché dans le monde, il y a une quête à accomplir. Accompli là. Et puis voilà, on va découvrir un peu le background en parlant des PNJ qu'on croise dans les niveaux, tout ça. Donc en fait, le principe dans Dark Souls, c'est que quand on avance dans un niveau, on va trouver des feux de camp qui vont permettre de se reposer. Donc on récupère toute notre vie et tout ça, mais les ennemis réapparaissent une fois quand on arrive à un feu de camp. Et donc, dans Dark Souls 2, quand on fait le feu de camp, on tue les ennemis, mais au bout d'un moment, si on continue de tuer encore et encore, ils réapparaissent plus. C'est-à-dire qu'en gros, si tu vas dans ce niveau, tu vas tuer 15 fois les mecs, revenir au feu de camp, au bout d'un moment, le niveau sera vide, il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus rien. Donc ça pourrait te permettre de... Est-ce que t'éteins ta console? Non, plus du tout. Ah d'accord. Donc tu pourras te permettre d'explorer le niveau en toute tranquillité, récupérer des trésors que tu aurais peut-être loupés. Ça facilite l'accès, genre si t'as un boss... T'as un chemin à un boss avec plein d'ennemis, au bout d'un moment il n'y en aura plus, donc tu pourras tracer au boss. Si tu n'arrives pas à le battre, tu pourras tracer et le tuer directement. Je veux juste ajouter que dans cette série, donc on a dit que c'était difficile, mais il y a quand même un truc, c'est que les univers sont extrêmement riches et il y a énormément de choses à découvrir sur le jeu. On peut trouver des armes très puissantes très rapidement dans le jeu si on trouve le bon endroit, entre guillemets. Ouais, il faut savoir optimiser, en fait. Il faut se dire, il y aura toujours des petits guides, tout ça. Genre, dès le début du jeu, tu vas là, tu peux récupérer un anneau puissant ou une épée puissante qui va t'aider pour avancer dans le jeu, tout ça. Il faut savoir qu'ils ont enlevé. Ils ont enlevé les ennemis par rapport à Dark Souls le premier, que les ennemis ne réapparaissent pas toujours comme avant pour éviter les points de pex, en fait. Parce qu'avant, dans Demon's Souls ou dans Dark Souls, il y avait des endroits où, en fait, en très peu de temps, on pouvait se faire énormément d'âmes. Donc du coup, on pouvait avoir un personnage extrêmement puissant très rapidement. Et pour éviter ce problème-là et garder une difficulté au jeu, voilà, ils ont décidé de supprimer les ennemis au fur et à mesure qui donnent beaucoup d'âmes quand on les tue, voilà, pour éviter que les gens se fassent des persos ultra cheatés dès le départ et après qu'ils rushent le jeu et qu'ils le terminent en quelques heures. Voilà. En spammant tout le temps la même touche. Voilà, tout simplement. Et toi, comment tu trouves ce nouveau Dark Souls, du coup? Alors déjà, je trouve que visuellement, il est un cran au-dessus par rapport à Demon's Souls puis Dark Souls. Il est déjà beaucoup plus joli, hein.
je l'ai trouvé sur le départ du jeu beaucoup plus difficile aussi. Ouais. J'ai eu l'impression de pinailler énormément. C'était ton impression aussi? Bah non, au contraire, dès le début du jeu, je trouvais que c'était assez. D'accord. C'était assez. Enfin, je trouve que la difficulté est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on va se trouver dans un niveau avec des gros chevaliers en armure qui vont nous poutrer en deux attaques, tout ça. Et niveau d'après, on va se trouver contre des petits mecs qu'on tue en un coup, avec des boss qui sont mais d'une simplicité enfantine. Alors ça dépend peut-être de l'endroit où voilà. commencer aussi. Oui, parce que le truc dans Dark Souls, c'est qu'on est libre de vraiment d'aller où on veut. C'est-à-dire qu'on se dit pas, tu vas tel niveau en premier, tel niveau en deuxième, tel niveau en troisième. Donc tu peux faire ce que tu veux. Donc effectivement, tu vas pouvoir te retrouver dès le début dans un niveau avec des ennemis hyper puissants. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est qu'ils ont repris quelques idées du premier Demon's Souls en fait. Par exemple, dans Demon's Souls, c'était pas un monde qu'on devait explorer comme ça. C'est on avait un endroit principal qu'on appelle le Nexus, on va dire c'était notre base, et on avait cinq mondes différents qu'on pouvait aller explorer. Et à chaque début de monde, les monstres étaient vraiment faciles à battre. Et ben là, dans Dark Souls 2, c'est pareil. Quand on essaye une nouvelle zone, et les monstres de la zone qu'on commence à explorer sont faciles. Après, en revanche, la difficulté augmente au fur et à mesure de la zone. Donc là, j'ai retrouvé un côté Demon's Souls. Un autre côté que j'ai retrouvé à la Demon's Souls, c'est quand on meurt dans Dark Souls 2, en fait, on redevient donc ce qu'on appelle une carcasse, c'est un mort-vivant, parce qu'à la base, on est quand même humain. Et dans Demon's Souls, en fait, quand on redevenait carcasse, on était à la moitié de ses PV habituels quand on était humain. Et dans Dark Souls, en fait, on a toujours eu la totalité de ses PV, qu'on soit humain ou carcasse. Ah. Là, dans Dark Souls, quand tu redeviens carcasse, en fait, si tu te fais tuer, ta barre de vie diminue également. Donc, en fait, il y a une difficulté accrue par rapport à ça. Ouais, en fait, ils avaient mis ça puisque être une dans le premier Dark Souls, être une carcasse ou être humain, ça changeait strictement rien puisqu'on n'avait aucune pénalité. Mais je ne sais pas trop, on ne sait jamais. D'accord. Donc, toi, tu le trouvais un petit peu plus difficile après, comme Nico, je pense que la difficulté se fait toute seule. J'ai pas ce qu'envie de dire. Ouais, enfin, après, ils ont rajouté aussi quelques trucs pour pimenter la difficulté. Par exemple, des fois, il y a des petits fossés à sauter, donc ils ont mis une touche saut. À l'avant, il n'y avait pas cette touche saut. Donc, suffit que tu foires ton saut et tu tombes dans la lave. Ouais. C'est la mort. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut recommencer, on peut remettre les stats de son perso à zéro. Tu vois que dès le départ, tu as mal réparti les points de ton personnage, en fait, tu retournes dans la hutte des trois sorcières qui te donne ta quête, en fait, il y en a une qui te permet de remettre tes points à zéro pour éviter de recommencer un perso après 60 heures de jeu, tu dis « Ah non, j'arrive pas à passer ce boss parce que j'ai... voilà. j'ai mal réparti mes points. » Bah voilà. Donc là, ils ont été un peu plus cool aussi. Ils ont privilégié la coopération aussi parce que dans Dark Souls, en fait, il y avait certains boss avec un peu de... on va dire de j'ai perdu mon mot. De cheatage. Non, quand tu persévérais, voilà, avec un peu de persévérance, t'arrivais à passer les boss. Là, on va dire que il y a certains boss, franchement, je vois pas comment les passer tout seul. À un moment, par exemple, il y a une partie où t'as trois chevaliers en armure qui t'attaquent. Mmh. Quand t'es tout seul, tu prends cher. Hein. Je suppose que Nico, il l'a fait sans armure. C'est ce qu'il disait. Donc, en fait, ils ont beaucoup amélioré le système de coopération, enfin de multijoueur. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait voir les autres joueurs, ils pouvaient venir dans notre monde, mais c'était assez limité. Là, en gros, il suffit de laisser si on laisse une marque d'invocation au sol, donc ça marche que en étant humain, ça marche pas en étant en carcasse. Quelqu'un peut utiliser la marque pour nous appeler dans son monde. Et inversement, si on voit une marque d'invocation, on l'appelle et on fait venir quelqu'un. Et donc, on peut avoir jusqu'à deux compagnons. Donc, pour les boss, il y a certains boss, c'est vital d'avoir deux personnes. En gros, quand les compagnons prennent l'aggro des boss, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont pas t'attaquer toi en priorité, mais ils vont attaquer ceux qui viennent dans ton monde. Comme ça, toi, t'arrives pour. Tu peux les buter, tu peux essayer de les buter rapidement comme ça. D'accord. Du coup, ça reste limité ce système. Tu peux pas faire le jeu cadeau. Non, en fait, parce que c'est en temps limité. Une fois que t'as battu un boss ou que la personne qui est dans ton monde a collecté un certain nombre d'âmes, il s'en va. Il retourne dans son univers. Ok, alors pour la dernière minute qui reste, je vais vous demander vos avis sur Dark Souls 2. Je vais commencer par Nico qui me semble lancer. J'aime beaucoup, même si il y a des moments qui sont très frustrants. J'aime beaucoup le système d'en ligne qui permet d'affronter des boss avec d'autres personnes. Par contre, ce que je regarde, c'est qu'il y a j'ai eu des bugs. Genre, il y a des boss où je me retrouvais coincé dans des murs, mon perso ne pouvait plus bouger. Donc, je trouve ça un peu inadmissible pour des jeux où.
un jeu qui se veut très, très dur, très technique. Ah ouais, t'es mauvais, c'est tout. D'avoir ce genre d'avant, je t'assure. D'avoir c'est ce bien, genre de bug. Non, mais c'est bien, les bugs rajoutent de la difficulté. Et toi, Jules, ton impression sur Dark Souls 2? Eh ben, c'est pas un jeu que je vais recommander à tout le monde. Hein. C'est vraiment pour les hardcore gamers. Hein. Ouais. Si vous êtes hardcore gamer et que vous cherchez la difficulté, achetez Dark Souls 2. Faut savoir, j'ai regardé un petit truc marrant, c'est que tu peux voir le nombre de morts qu'il y a eu sur les serveurs depuis qu'ils ont ouvert. Donc j'ai regardé ce nombre avant de partir du jeu tout à l'heure. C'en était à 15 520 278 morts à travers le monde. Et il n'y a que 3 joueurs. Sachant que le jeu est sorti. Non seulement le jeu est dur, mais il y a des objets qui permettent de le rendre encore plus dur. D'accord. Oui. Donc c'est après, ouais, on n'est pas obligé de les utiliser. Ça, comme les lunettes de cécité qui rendent l'écran complètement noir. Autant éteindre sa télé. En tout cas, allez, pour finir, vous êtes tous les deux convaincus? Ouais, j'en suis très convaincu, super content. 30 heures de jeu, je crois que j'avais même pas fait la moitié. J'avais même pas fait plus de la moitié. Donc, 30 heures de jeu, level 109. Et il y a un succès quand on meurt pour la première fois. Super, les gars. Bah écoutez, si comme Nico et Jules, vous aimez tout ce qui fait mal, Dark Souls 2 est pour vous, et en plus de ça, c'est encore une fois un très très bon jeu. Voilà mes enfants, bah, je vous remercie. Je remercie Pierre-Marie, Nicolas, Marc et Jules d'avoir participé à l'émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de Game On Nitron. On parlera de la trilogie Infamous avec le dernier né sur PS4 et également de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. D'ici là, passez une bonne semaine. Rendez-vous sur le site internet gameonitron.fr, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et puis, bah, passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao! Salut! Ciao. Salut. Mais